pas dit, je voulais faire une grosse dédicace à toutes les personnes qui m'ont, encore une fois, craché dessus, insulté. Quand j'ai parlé de Stadia, que Stadia c'était une hérésie, une grosse merde. Un petit message aussi à tous ceux qui ont dit la même chose à Romu. Hein, quand Romu a dit que Stadia ça ne pourrait pas forcément marcher et tout. Que c'était beaucoup trop tôt de lancer des sites de 100% streaming et tout. Et que ça allait se casser la gueule. Ben vous savez quoi les gens? C'est moi qui vous dis allez. Mais avec vraiment, avec la plus grande profondeur de mon cul. Allez vous faire enculer, parce que regardez les petites bandes de fous qui avaient acheté votre matériel Stadia, eh ben vous l'avez bien profond maintenant. Hein? Vous l'avez bien profond. Je le savais, moi franchement, je le savais que de toute façon, tout ce que Google y fait les trois quarts du temps, ça s'écroule la gueule. Hein? Donc voilà quoi. Donc allez bien vous faire. Tu m'as compris. Hein? Et si tu connais pas comment ce qu'on fait, demande à Angèle, elle a écrit une chanson là-dessus. Hein? Va te faire, tu vois. Donc voilà, c'est beau, hein, Stadia. Hein, t'as vu? Oui, c'est beau. Alors, pour ceux qui pensent, peut-être que Amazon va sauver le game avec son projet à la con, là. J'ai même oublié le nom, tellement que c'est débile. J'espère qu'Amazon va prendre la graine et qu'ils vont laisser tomber le projet avant même qu'ils le lancent, parce que ça va être la même merde. Ça va être la même merde. Même si là, pour l'instant, les consoles, entre guillemets, next-gen, sont en train de... foutre un petit peu le bordel parce qu'il n'y a pas de stock et tout, et peut-être que les gens ben, vont se plonger là-dedans pour enfin dans le projet d'Amazon pour avoir une plateforme. Regardez Stadia, ils auraient pu en profiter, ils auraient pu tirer leur épingle. Et ben, au contraire, Stadia s'est effondré comme une grosse bouse. Voilà. Donc allez, sur ce, moi je vous dis une bonne journée. Et un grand merci à mon abonné Suprême Moi qui m'a donné l'info ce matin. Concernant donc Stadia, parce que Stadia je suis pas du tout, donc j'étais même pas au courant que Stadia bah, s'était effondré comme une grosse bouse. Allez, sur ce les amis, je vous laisse, à la prochaine, ciao ciao.